choisir une robe, c'est choisir une robe de circonstance. Si vous êtes invité à un cocktail, à une soirée, veillez bien à respecter les consignes. En réalité, vous avez donc soit la tenue de ville qui est le synonyme d'une tenue de cocktail, donc qui demande une tenue un peu élégante mais absolument pas habillée. Une tenue de ville, ça veut dire que ça peut être en sortant du bureau, mais vous avez un tailleur un peu plus élégant que le jour où vous n'avez pas de soirée ou de cocktail à la fin de la journée. Vous pouvez mettre un bijou, bon, pas trop important non plus, mais qu'on voit que vous avez fait un effort. Si vous aviez des bottes pendant la journée, rien ne vous empêche d'avoir une paire d'escarpins dans votre sac et de les mettre en arrivant. En revanche, la tenue de soirée, c'est une tenue très habillée. On met sa plus belle robe, on va chercher ses bijoux au coffre s'il le faut. Il y a quelques années, c'était obligatoirement robe longue. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une robe sous le genou ou au genou, très habillée, décolletée avec de beaux bijoux, ça passe très bien aussi. Pour les hommes, lorsqu'il est indiqué tenue de ville, cela signifie costume sombre, chemise claire, a priori chemise blanche. Et cravate. Cravate sombre, généralement, jamais noire, puisque la cravate noire est réservée aux enterrements. Pour la tenue de soirée, très souvent, il est ajouté cravate noire pour les hommes. Bien sûr, ne jamais se fier à ce terme de cravate noire qui, en réalité, veut dire smoking. Il est vrai qu'avec un nœud, il fait bon papillonner.